OK. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça se fait que je me suis ramassé là? Shit. Bon, quelqu'un me disait, OVV, il bouge tous les jours. OK? Mais pas tant que ça. Regarde, depuis tout le mois de mars, il était de côté. En avril, il a chuté. Puis là, ben, il bouge tous les jours. Oui, un petit peu, là, des pinottes, pas gros de volume, toujours à l'intérieur de sa tendance baissière. Là. Regarde, techniquement, là, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire qu'un possible day trade là-dedans? Là? C'est tout, là. OK? Là, regarde, ça a l'air bien impressionnant quand vous regardez ça de même, mais c'est moins impressionnant quand vous le regardez de même. OK? Donc là, c'était la passe était de 29 à 29,75. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Ça reste encore une tendance baissière qui n'est même pas inversée. Petite analyse de VET. Là, tout le monde tripe sur le pétrole. Là. Tout le monde écoute les bobards de toutes ces cochonneries-là. Puis il y avait Warren Buffett aussi qui avait dit qu'il avait acheté plein de pétrole. Ben oui, mais après ça, ils se dépêchent de pousser sur le monde pour qu'ils fassent monter leur pétrole. Ça fait que, regarde, le temps n'est pas encore arrivé. Point à la ligne. Puis regarde, dans les derniers temps, il y a des jours où on faisait de l'argent avec, des jours où on n'en faisait pas, là. Bon, mais regarde, là, c'est l'histoire du pétrole aujourd'hui. Là. Regarde, on est complètement au-dessus d'un top. Il reste à peu près 20 cents pour atteindre sa résistance. C'est tout ce qui reste à espérer là-dedans. TBP à 23 cents. C'est quoi ça, TBP? OK. Bon, regarde, il a reviré de bord avant d'atteindre sa résistance. OK? Donc, ça lui donne un couloir négatif par rapport à sa tendance. Vous avez payé ça 23 cents. Que penses-tu de cette pharmacie? J'en ai rien à cirer. Je n'ai pas le temps d'aller étudier fondamentalement chacune des compagnies. Moi, ce que je vous dis, c'est que il y a une raison pour laquelle elle a monté là, mais regarde ici, ses volumes étaient plus gros, puis là, ses volumes sont plus petits. Fait que son dernier cycle, c'est pas rendu au top de l'autre cycle, puis il est revenu là. Ça fait que là, dans le moment, il n'y a pas de signal d'achat là-dedans avant qu'il passe les 42 cents, puis il y aura un signal de vente à 32 cents. Mais on a vu des mouvements de même avant aujourd'hui, là, OK? Ça fait que, regarde, voyez-vous, il a atteint le bout de son élastique, là, il a fait 20 cents, 40 cents, là. Il a monté de 100% dans les derniers jours. Donc là, c'est clair qu'il va s'arrêter là. Fait que si on est là-dedans, on prend des profits. Puis si on n'est pas là-dedans, ben on attend que, ben parce que là, il va s'en aller de côté un bout de temps, son volume va diminuer. Puis après ça, un jour, il redécollera. On ne sait pas, à moins qu'il vienne faire une correction ici. Pour l'instant, ce serait une phase neutre, puis un décollage à environ 42-43 cents. C'est juste là qu'il y aurait un nouveau cycle haussier. Pendant que le marché, lui, continue à glisser. Donc, le plafond, le pétrole, là, il plafonne. On est monté de 3 piastres sur 115 piastres, avec, regarde, un petit pourcentage. C'est tout ça qu'il y a eu. Oh, en passant, Coin est en baisse de 1%. J'aurais peut-être pu l'enlever de là. Je vais effacer ça de là. J'aime mieux garder mes symboles en haut. Air Canada est en baisse de 2,25% en passant. Comme ça. Oui. Tiens, il faut penser. On va aller regarder les airlines. Tiens, 7, ça c'est airline. OK? Oups, non, c'est 6. Non, c'est 8. Excusez. Ça, c'est 8, les airlines. Mais ils font tout pareil. Hein? Regarde, tu regardes 6. Regarde ici. Regarde ça, comment c'est bloqué là. 7, les composantes électriques. 8, les airlines. Bloqué là. Puis 9, les bateaux. Bloqué là. OK? Ça fait que, regarde, ceux qui veulent anticiper que ça redécolle, faites-le. Moi, comme je dis, attends, j'en ai rien à se tirer. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais moi, je ne recommande pas ça. C'est pas prêt. Okay. Pourquoi ça ne décolle pas encore si c'est si bon que ça? Pourquoi ça ne décolle pas si c'est vraiment en juillet que tous les bateaux et les avions vont se remettre à voyager partout à travers le monde? OK? Puis que même que l'OPEP dit qu'il va augmenter la production,
Bon, ben moi, c'est bien une valeur, mais je regarde où la demande est en train d'arrêter aussi en même temps, là. Fait qu'il faut regarder les deux côtés, dans l'affaire. Ça fait que pour l'instant, il n'y a pas de signal d'achat, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de vague d'acheteurs dans ce pas en tout. Hey, ça a monté de tout ça pour ces raisons-là. OK? Ça fait que on va attendre que ça se passe. Oups, j'avais été en bord de question sans le vouloir. On va attendre que ça se passe, mais ce n'est pas encore arrivé. Le cannabis, bien, c'est qui a vu la grosse vague d'acheteurs? Où c'est qu'il y a une grosse vague d'acheteurs là-dedans? Les secteurs sont tous dans la même place. Je vous répétais la même chose ici, OK? Je me faisais bitcher dessus parce que le monde disait, « Ouais, on dirait que tu ne veux pas qu'on achète. » Mais moi, je dis, « S'il y a une raison pourquoi ça ne monte pas. » Mais gars, il est redescendu encore plus bas, le cannabis, là. Fait que je le dis encore que ce n'est pas le temps. Puis la même chose pour les autres, parce que moi, le fait que ça décolle pas avec supposément tout ce qui est supposé s'emmener positif, là, bien, expliquez-moi pourquoi qu'il n'y a pas de vague d'acheteurs. Il y a rien que les gros blue chips qui ont monté. Parce que, puis ils s'en servent comme valeur refuge en plus. Fait que, moi, il y a anguille sous roche. Puis regarde, tant que je ne verrai pas le signal, bien, il n'y aura pas de signal. Tiens, regarde, les blockchains, c'est pareil. Les énergies renouvelables, je m'excuse, mais ça s'en vient par en bas. Puis après ça, les aérospatiales, ça s'en vient par en bas. OK? Tesla, puis toute la gang, regarde, il n'y en a pas un, il y a Raytheon qui a décollé dans les spatiaux. Mais ça peut être plus militaire que d'autres choses, parce qu'il y a des places que ça brasse pareil dans le monde, mais il n'y a pas de signal dans ce secteur-là, pantoute. Les biotech, regarde, sont en correction. Regarde, l'indice des biotech est en correction. Les NFT, les NFT sont toutes de côté. Il n'y en a pas un qui est en mouvement là dans le moment. OK? Ils sont toutes neutres. Puis ici, on a les paris sportifs, c'est ça, là? Oui, c'est ça, les paris sportifs, regarde, tendance baissière ou bien des phases neutres, tout ça. Non, non, j'ai aucun secteur dans un cycle haussier. Que penses-tu de value? C'est où, ça? Au Canada? VALU? Ah, c'est encore un autre stock sur la bourse de pacotille, ça. Moi, je ne l'ai pas. Et pas à Toronto ni à Croissance encore, cette compagnie-là. Tiens, on vient d'avoir un petit rebond qui n'a pas tenu, qui est pour l'instant, sur les marchés. Fait que les marchés sont paresseux, ils ne font rien, ils se corrigent. J'ai zéro secteur haussier. Zéro secteur haussier. Il n'y en a pas un seul. Puis le pétrole même n'est pas haussier. Puis les pétrolières non plus n'est pas haussier. C'est juste un petit swing à la hausse. Lenny, à propos de Warren Buffett, quand il dit qu'il y a une grosse position dans quelque chose, devinez quoi? Les gens se achètent pour le copier pendant que lui, il vend. Ben oui, il a besoin des acheteurs. Il en achète des grosses quantités. C'est le mieux, WRN et CR. Oui. Ou ni un ni l'autre. Ben, dans les deux choix d'un peu, là, WRN, si WRN. Ben, Western Copper, regarde. Western Copper, là, ce sera un achat. Regarde, il fait son plus 75 000. Un de ses plus petits volumes de l'année aujourd'hui. OK? Puis là, il est complètement pogné à cette résistance-là. Donc, il n'y a personne qui veut payer plus cher qu'une pièce et 90. Donc, quand il décollera à une pièce 95, une pièce 98, il y aura du potentiel jusqu'à 2 pièces 35. C'est la seule affaire qu'il y aura comme potentiel. Parce qu'en attendant, il y a autant de chances de revenir ici sur le support que de monter là-dedans. Fait que quand vous verrez apparaître le canard, quand le canard sortira de l'eau, ici, OK? Ce sera là le temps. Puis Crescent Point, CR, bon, lui, il est en hausse un peu à matin parce que ça rebondit sur la même raison que le pétrole monte, mais pour moi, ça, c'est un pullback. Comme ça, c'est un pullback. Comme ça, c'est un pullback. Comme ça, c'est un pullback dans une tendance baissière. Puis en plus, il est en dessous de son support. Il est juste revenu sur son affaire. Puis regardez le volume 44 000. Écoute, il y a 400 000. Il n'y a même pas 10 % de son volume aujourd'hui.
GME dépasse sa résistance. C'est ni un ni l'autre. GME aux États-Unis. OK. GME. Ah, GameStop. Est-ce que ça dépasse sa résistance? Non. Non. Bien, c'est une grande évidence, là. Regarde, c'est collé là. Regarde, mais surtout, pas rien que la résistance, c'est le volume. Quand il est suracheté. Lui, le stochastique nous dit qu'il va redescendre ici. Le volume indique qu'il n'y a pas de force à la hausse. Et puis, il y a une résistance qui dit que les acheteurs ont arrêté d'acheter là. Puis, tant qu'il n'inversera pas tendance et résistance, ce n'est pas un achat. Non, ce n'est pas un achat, pas en tout, pas en tout. Cette affaire-là. RFP Toronto, d'un forestière. Resolute Forest Product. Bon, correction. C'était, comme je disais d'un dernier jour, sur un top de couloir. Il n'y avait plus de potentiel là-dedans. Fait que là, pour l'instant, ben, tout le monde savent que le bois, le prix du bois a beaucoup augmenté dernièrement, mais c'est fini, là. C'est fini. Regarde, ça, c'est l'indice. OK? Fait que le seul secteur qui a été haussier dans le mois d'avril, là, ça a été les forestières ici. Mais là, c'est fini depuis le 16 avril. Puis on est rendu le 28 avril. Là, on est dans une formation complètement neutre. On est complètement sur un top. Puis on va revenir sur le couloir. Donc, ça va être du mouvement neutre ou de la correction pendant les prochains jours, voire même les prochaines couples de semaines. Donc, RFP, il fait ça. Interfort, il fait ça. Il s'en revient vers son support. Fait que, regarde, c'est pas un point d'achat, ça. C'est un point de prise de profit, ça. Payé hier 20,25. RFP. Ouch. À New York, attends un peu, on va prendre. RFP, il n'est plus au Canada. Hein? RFP, c'est-tu lui? Non, c'est pas lui. OK, non, c'est l'autre, c'est. J'ai oublié, là. C'est l'autre qui est rendu aux États-Unis puis qui n'est plus au Canada, là. 20,25. Bon, OK, ça, c'était acheté vraiment sur un top, là. 20,25, c'est là. Donc, vous avez acheté ça hier à cette hauteur-là, où moi, je ne voyais pas de signal. En tout cas, là, ben, pour l'instant, regarde, ça s'en va en correction, comme tout le reste des autres forestières. Ça ne fera rien pendant les prochains jours, puis il va probablement retourner à 18$. Vous dites que la demande de pétrole n'augmente pas actuellement, à part l'Inde et le Brésil, ça déconfine partout la planète, donc j'imagine que la demande augmente. Non, c'est pas vrai, vous vous trompez, vous faites erreur. Pour votre info, l'augmentation de la production de l'OPEP avait été annoncée le mois dernier. Bien oui, c'est ça qu'on dit. On dit hier ou avant-hier qu'il ferait selon ce qu'il avait dit justement le mois dernier. Donc, c'est pour cette raison que l'USU n'a pas chuté. Bien, c'est justement. Puis, bien non, mais... Regarde, là, vous n'allez pas croire ces polychinelles-là, là, les manipulateurs de marché, là. Voyons donc, regarde, moi, je crois les graphiques, OK? Mais regarde, je vous ai montré tantôt tous les secteurs, puis je vais maintenir mordicus à cet énoncé-là. Tous les secteurs, je vous le répète, là, les autos électriques sont bloquées à leur résistance, OK? Ici, là. Right? Ils ne sont pas à leur top, là. Okay? Ils sont bloqués à leur résistance. Les composantes électriques sont bloquées à leur résistance. Les compagnies aériennes sont bloquées à cette résistance-là, en situation surachetée, puis encore bien plus, regarde, ils sont loin de faire un nouveau haut. Okay? Puis il reste 2,40 à 2,54, là, ce n'est pas un gros pourcentage. Les compagnies d'aviation sont encore à l'intérieur de la tendance baissière, puis sont bloquées à cette résistance-là, puis ils sont surachetés, puis le stochastique a un signal négatif dessus. Le cannabis, il n'y a rien de décollé là-dedans. Les énergies renouvelables sont bloquées à leur résistance, puis là, ils s'en reviennent par en bas. Ça fait que qu'on m'explique là, avec tout ça, là, que tout le monde n'arrête pas de dire c'est positif. Non, non, vous êtes des croyants, là, OK? Donc, c'est comme, regarde, il y a peut-être d'autres choses qui vont nous tomber sur la tête, puis on ne sait pas encore c'est quoi. Pendant que Joe Biden est en train de dépenser 4 trillions, là, qu'il ne sait pas encore comment il va financer, OK? L'autre jour, quand il a dit qu'il financerait ça avec les riches, le gars, ça a semé une torpeur sur le marché. Puis là, ben, il vient de sortir un autre 1,8 trillion aujourd'hui, là, OK?
Regarde, que là, le nouveau Robin des Bois des États-Unis, là, Biden, là, il vient de sortir, il va présenter ça au Congrès. Là, un autre, c'est une addition, là, un autre 1,8 trillion, billion, c'est pas bon ce qui est écrit dans les nouvelles, c'est pas billion, c'est trillion en français. Et de nouvelles dépenses et de nouveaux crédits d'impôt destinés aux enfants, aux étudiants puis aux familles. Je m'excuse, pas eux autres qui rapportent de l'argent. OK? Ça fait qu'eux autres, ils coupent de l'argent. Donc là, il veut prendre de l'argent aux riches, la donner aux pauvres. C'est très bien. Moi, je trouve ça bien noble de sa part. OK? Mais regarde, il va avoir une claque sur la gueule avec ça. Parce qu'il faut qu'il finance cette affaire-là. Il va prendre ça dans les poches de qui? Les 4 trillions. OK? À chaque fois que tu touches aux grosses compagnies, là, bien, ils se revengent vers toi. C'est les grosses compagnies qui élisent les présidents des États-Unis. C'est les grosses compagnies aux États-Unis qui bourrent les politiciens avec des millions pour le campagne. Puis là, par exemple, tu vois, il va perdre des plumes, mon Joe, avec ça. Fait que là, il fait tout pour essayer de remonter son image. Mais quand il faut qu'il finance quelque part, fait qu'il va sortir de où? Il va sortir d'où? 4 trillions? Hey, c'est pas rien, 4 trillions, c'est 4 000 milliards, là, tu sais. Ça fait que, regarde, moi, tant que je verrai pas les graphiques décoller puis faire partir au moins dans un nouveau cycle aussi, là, bien, j'y croirai pas. Parce que j'ai mon avis fondamental, mais ma décision est technique. OK? Ma décision est technique. Regarde, Microsoft a sorti un bénéfice par action d'une pièce 95 au lieu de 1,78 tel qu'attendu. Microsoft, regarde, est en correction. OK? Il était même en breakdown aujourd'hui. Google, lui, a annoncé, il y avait des profits de 15,82, il a annoncé 28 et 29. C'est toute une augmentation. Mais le chiffre d'affaires, lui, il a augmenté juste de 51 à 55. OK? OK? Ils viennent d'où, ces profits-là? Là, c'est comment ça que le chiffre d'affaires augmente pas et les profits augmentent autant? Je ne trouvais pas qu'il y a un petit quelque chose de bizarre là-dedans? Fait que, il a clenché en hausse Google le matin, puis là, il redescend. Puis en plus, il est complètement sur son top. Puis Acari, ça, on dirait une affaire... Une compagnie dentaire, Acari. OK. Regarde, ça l'a ouvert en hausse sur... il va faire une présentation sur la pemifogoine, je ne sais pas quoi, le bulleuse. T'as fait peur d'attraper ça. De phase 2. Il a expliqué que la conception de la phase 3 à l'American Academy, mais ça ne veut rien dire. Il a juste dit qu'il a parlé de ça. Fait qu'il a ouvert en hausse, comme il a fait la dernière fois ici. Et puis là, maintenant, il est rendu négatif. Fait qu'il n'y avait rien là, dans les nouvelles le matin. Là. Le marché, il est plate, il est tranquille, il se corrige. Il y a juste eu un market rescue avec les institutions qui ont acheté les grosses compagnies à 9h35, 9h40 pour faire remonter le marché. Ça fait que ceux qui voient des affaires là, qui clenchent partout, là, OK, là, ben regarde, montrez-moi-les, puis là, ben moi, je vais prendre ma retraite. Je viendrai prendre ma place. Fait que, parce que vous allez être bon en crime. J'ai trois analystes qui checkent en même temps que moi aussi pour essayer de trouver du stock qui bouge, OK? Puis il n'y a pas personne qui en trouve. Puis ce matin, j'ai eu des dizaines de questions que ça c'est-tu bon, ça c'est-tu bon, ça c'est-tu bon, ça c'est-tu bon. Il n'y avait rien là-dedans. Le monde fabule, il cherche de quoi? C'est tout. Puis au point où le monde sont allés dans le cannabis, à acheter du cannabis à cause d'une petite nouvelle de Neptune qui faisait juste mettre du produit sur ses tablettes. Tu sais, bon, il n'y a pas de raison que ça fasse monter Weed, Afria, Aurora, cette nouvelle-là. Aucune raison pour que ça fasse ça. Il y en a en masse du produit sur ses tablettes. Il n'en manque pas. On n'a pas de pénurie de cannabis. Là. Au contraire, ils ne savent pas comment faire pour le vendre avant qu'il soit complètement déshydraté. OK, c'est l'heure d'une pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public? Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites.
Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Ça. Mais toutes les compagnies vont se lancer là-dedans, ils vont en produire partout, puis la consommation ne sera jamais capable d'absorber l'offre. Je me vois pas boire des boissons à base de cannabis pour avoir un petit trip. Non, c'est comme, pourquoi pas prendre une bière tant qu'à faire? Oui, bien, CBD puis THC, il y en a un qui fait activer le cerveau, puis il y en a un autre qui te fait croire que tu vas bien. Tu sais, je sais pas, là, mais c'est un gros marché, là. Écoute, c'est un gros marché, mais c'est très peu, là. C'est juste une affaire à court terme, là. Moi, je... Les gens sont là pour qu'on leur dise d'acheter en swing trading, mais on va pas les embarquer dans des petits day trades de même. Le secteur, il est pas clenché. Non, je suis d'accord, parce que c'était pour expliquer pourquoi ils ont bougé en dehors de Neptune. Oui, oui, d'accord, je te remercie. Ça change rien dans l'affaire, mais je vais l'expliquer. Hop, on est revenu, hein, j'avais fait la pause. On était en discussion avec attends un peu, j'ai perdu mes affaires ici. J'étais en discussion avec Fabien parce qu'il a trouvé quelque chose qui dit qu'il y a quelques compagnies aux États-Unis, c'est-à-dire il y a des rumeurs qu'il y aurait des États qui pourraient légaliser les boissons à base de cannabis. Puis là, ben, il y a des compagnies de bière, OK, des grosses compagnies de boissons alcoolisées qui veulent rentrer là-dedans. Moi, ça fait longtemps qu'on le sait, même Molson est là-dedans. Puis au Canada, je ne sais même pas si c'est légal, mais regarde, si toutes les grosses compagnies de bière se mettent à fabriquer de la boisson avec du cannabis, ça va peut-être favoriser certaines compagnies de cannabis de vendre plus de cannabis pour le THC puis le CBD, OK? Mais regarde, moi, quand le secteur décollera, on le verra. Pour moi, le secteur, il est suracheté, puis il n'est pas décollé. Fait que, je m'en fous bien, c'est des rumeurs, là. Regarde, là, Weed, c'est un des favoris là-dedans. Puis t'as aussi Afria puis Aurora. Bon, mais pourquoi d'abord on n'a pas une seule compagnie qui décolle là-dedans? C'est des petits mouvements éphémères, ça. Bienvenue, Ismaël. J'ai acheté BIR à 2,88. BIR. Il vaut 3,12. Il est plafonné là. Il y a un très petit volume, ce qui indique la fin du cycle. S'il y a un autre cycle, bien, ça va être 3,25 à 3,45. Ce sera un autre 20 cents.
Bien, moi, je prendrais un profit direct là, je mettrais un stop. Si vous n'êtes pas loin de votre prix payé 3,12, le signal de vente est à 3$ à peu près, regarde, 2,99. Ça fait que, puis comme il est sur une double résistance là, puis il y a bien des chances de revenir à 3$, ça va être pas loin à 3,3. Vous êtes à 2,88, votre revenu, votre point est là. Fait que moi, je vendrais la moitié de la position ici, je mettrais un stop à 2,99. De quelle façon doit-on suivre une nouvelle entrée à la bourse comme TAIG? Quelle est la meilleure stratégie? Bien, dans certains cas, surtout dans le cas de TAIG, là, depuis qu'il est ouvert à la bourse, là, il fait juste planter. Ça fait que, regarde, quand, techniquement, c'est quand il revirera de bord. Je comprends que c'est une compagnie québécoise, puis je ne suis pas là pour bitcher contre les compagnies québécoises. Je suis là pour faire de l'analyse technique, montrer au monde quand est-ce que ça va être le temps. Là, la première journée, il a ouvert en hausse, il est parti en baisse, comme on a vu ici. La deuxième journée, il est monté, mais il n'a jamais été plus loin que ça. Puis là, bien, de toute façon, pour l'instant, ça ne lui donne qu'une tendance baissière jusqu'où il va aller. La manière de le suivre, c'est d'attendre comme la même chose qu'on fait tout le temps. Premièrement, ce n'est pas un titre qui fait beaucoup de volume. OK? Aujourd'hui, 68 000, ce n'est pas beaucoup. Donc, la chose certaine, c'est qu'on ne s'intéresse pas à ça tant que la tendance baissière continue son chemin. On a 4 jours de transactions de faites là-dedans. Puis pour l'instant, il n'y a qu'une seule direction, c'est par en bas. Fait que quand le titre était ici, OK, bien, il aurait fallu qu'il inverse puis qu'il décolle là. C'est chose qui ne s'est pas faite. Quand il était ici, il aurait fallu qu'il inverse sa tendance, puis après ça, qu'il vienne inverser sa résistance. Là, maintenant, il est rendu là, il faudrait qu'il inverse sa tendance là, puis il faudrait qu'il inverse sa résistance. Fait que là, il y aurait un point d'achat à 13,54, mais ça va probablement être un peu plus tard 13,10, parce que pour l'instant, il descend encore. Fait que l'idée, c'est d'attendre que sa tendance baissière se termine. 500 IMO sur breakout, objectif à 33,5. Objectif 35$. Bon, ben, c'est pas trop gourmand, ça. IMO. IMO. IMO sur breakout. 33,5, objectif 35. Il vaut 33,22. Le pays 33,50. C'est une question, ça. C'est pas une affirmation. Achat. Achat de 500 IMO sur breakout 33,5. Mais il est à 33,22. Il n'a pas été à 33,5. Non, il est à 33,40. Ouais, peut-être. Peut-être. Moi, je pense qu'il ne touchera même pas le 33,5, là. Mais, OK, je suis d'accord jusqu'à un certain point. Mais c'est une grosse résistance à traverser, ça. Fait que je suis d'accord, mais seulement pas avant 33,5. LIF à Toronto, 32,71. LIF, 32,71. Il vaut 42,21 le 4 février. Pas pris de profit encore. J'attends ou je vends la moitié. Bon, regarde. Là, premièrement, il n'est pas encore tout à fait rendu sur son couloir. Il pourrait rester encore un petit peu de place. OK, il va quand même assez bien. Labrador, il n'y a pas de gros volume, là. Je dirais que, un peu ça, c'est 38,40, là, il est à 42, il m'apparaît avoir de la place jusqu'à 43,5. Mais moi, je commencerai à prendre des profits là-dessus, ça sécuriserait la position. Ben, après ça, c'est tellement facile à gérer. 32,71 le 4 février, OK? Donc, c'est 32,71, c'est à peu près là, OK? Donc, 32, on va dire 33 à 42, OK? Donc, vous faites 9$, donc il vous coûte 26, OK? Donc, si vous vendez la moitié maintenant, là, votre stock va coûter environ 26$. Fait que là, regarde, tu ne peux plus perdre d'argent avec ça. Fait que là, tu ne t'occupes pas du dernier cycle, tu fais juste jouer la tendance, puis tu vends seulement quand la tendance s'inverserait. Donc, ici, tu ne l'aurais pas vendu, puis ici, tu ne l'aurais pas vendu. Puis là, bien, c'est là qu'on le vendrait jusqu'à temps qu'il fasse une autre place où il viendra plus tard, dans le futur, il viendra inverser sa tendance, sa résistance. Fait que tu auras une belle position à long terme avec ça. Vous faites bien d'être prudent concernant le pétrole. L'USO valait 130$ à la fin de 2018, même plus que ça, 140.
est maintenant moins de 44 piastres. Attends un peu, là, vous parlez du pétrole canadien, là, parce que le pétrole américain, il est à 60. Je vais te donner ça aussi. Oups, 64 qu'il est. Mais oubliez ça, vous ne verrez jamais le pétrole à 140 piastres. Jamais. Jamais. Impossible. Voyons donc. On est parti vers l'électrification, là, ça n'arrêtera pas. Là. La seule affaire qu'ils ne pensent pas à faire électrique encore, là, c'est les gros bateaux sans mer, puis encore là, il y en a. Okay? Certains bateaux qui existent déjà, des bateaux dans le monde, là, qui ont des panneaux solaires sur toute la longueur du bateau. Ça représente une méchante longueur, mais on ne peut pas faire ça sur des containers, puis sur d'autres affaires, mais un jour, ça va venir. Mais pour l'instant, les gros porteurs, il n'y aura pas de 747 ou il n'y aura pas de F-35 électrique, là, ça c'est clair, là. En tout cas, pas avant bien longtemps. Mais les autos, les pick-up, les camions, même les vannes, même les camions qui charrient les stocks sur la route, là, puis on sait que ça consomme énormément. Le transport, c'est gros dans la vie. Moi, puis là, regarde, ils sont rendus maintenant dans les batteries à l'hydrogène, OK? Mais le transfert se fait pas vite parce que je pense que les grosses compagnies de transport, ils attendent que ça devienne des vraies batteries au lieu d'être dans l'hydrogène parce qu'ils veulent pas transférer leur flotte à l'hydrogène, après ça, transférer leur flotte à l'électrique. Mais on est parti vers ça, là. Écoute, les autos électriques sont rendues avec beaucoup d'autonomie, beaucoup de puissance et tout. Ça fait que, regarde, tu as des compagnies comme Ford qui ont dit qu'ils annonceraient de fabriquer des autos à essence en 2035. Là. Puis toutes les automobiles vont faire pareil. Donc, quand vous avez enlevé les autos puis les camions à consommer du pétrole, là, ben regarde, il reste juste les avions puis les bateaux, là, OK? Ça fait que ça va être bien, bien, bien difficile de revenir exactement à la même production qu'il y avait avant. Ouais. Si le pétrole monte, c'est parce qu'ils vont arrêter d'en produire. Ça va être la seule raison de monter. Puis regarde, avec la demande qui va baisser, je ne vois pas pourquoi ils continueraient autant l'exploration. Puis les petites compagnies, ils vont en arracher. Si le pétrole ne monte pas, ils ne font pas d'argent. Ça fait que, donc, pour moi, là, en attendant, il n'y a pas de signal d'achat. Avis aux anticipateurs. Merci XYZ. C'est mon avis aussi. NGA, est-ce que ça va descendre jusqu'à 15. Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas devin. Il va arriver, le NGA va changer pour LEV, là. On ne sait pas encore quel jour, mais ça a déjà été voté. Donc, ça va juste, c'est juste qu'il va être un nouveau ticker. Donc, ça ne changera rien. La fusion est déjà faite. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Bien, regarde, il fait comme le secteur. Présentement, là, NGA... Regarde, il est collé là, là. Ici, à la même place que tous les autres stocks. Regarde, il y a OSK. C'est quoi ça, OSK? Ah, OK, non, attends un peu, c'est quoi OSK? C'est OSK Corp. C'est Oshkosh. Ah, tiens, ça vient de le trouver. Parce qu'il ne faisait pas le gros de volume un matin, je suppose. Là, il y a 181 000. Ouais, c'est ça, mon scanner, il cherche à 100 000 minimum. OK, là, il est sur un top. Regarde, je l'ai montré tantôt, puis regarde, Tesla, lui, est en correction, mais tous les autres stocks des autos électriques ne font rien pantoute. Ils sont tous là, puis lorsqu'on attend de voir, est-ce que le secteur va se restructurer encore plus ou qu'on va redécoller, on aura la réponse le jour où ça arrivera. Que sera le point d'entrée pour PBI? Ici. Après son top, il n'a pas fait grand-chose. Puis là, regarde, tranquillement, pas vite, à force de s'en aller de côté, comme un drapeau qui vole au vent, là. Oups, je me suis trompé, ici. Donc, en s'en allant de côté, là, regarde, il s'en vient à se rapprocher de sa ligne de tendance. Donc, il n'est pas tout à fait impossible que, dans un petit peu plus tard aujourd'hui, quand il va avoir rejoint sa ligne de tendance, va recommencer à intéresser des traders. Donc, ce serait
probablement aux alentours de 9,60 $ qui va se calmer. Puis après, le prochain point d'entrée, ça pourrait ressembler, mais il est trop tôt pour le voir, ça pourrait ressembler à 9,90 $, là, mais regarde, premièrement, on se doit d'attendre que la tendance termine. Là, c'est dur de prédire tant que la tendance baissière, c'est-à-dire à court terme, ne sera pas terminée. Regarde, ici, ça a duré de 10h à 11h20. C'est là que le mouvement est arrivé. Là, quand est-ce que celui-là va finir? Je ne sais pas. Mettez-vous une alarme là-dessus et surveillez-le. Ils vont tout simplement imprimer de l'argent. Non. Ça ne marche pas de même. C'est pas vrai. Là. Regarde, faut que tu finances. L'argent, faut que tu l'empruntes. Tu ne peux pas l'imprimer. Ils n'impriment pas de l'argent comme ils veulent, le gouvernement. Là. Que l'argent, là, il faut qu'ils l'empruntent à quelque part. OK? Donc là, les taux d'intérêt sont bas. C'est la raison pour laquelle Powell, il veut pas augmenter les taux d'intérêt. Il se tire une balle dans le pied. Ça fait que, donc, ils peuvent pas inventer les taux d'intérêt, augmenter les taux d'intérêt encore. Et puis, tant qu'il y aura pas vraiment de l'inflation, et puis, mais il va falloir qu'il trouve quelque part son 4 milliards, son 4 trillions, Biden. Puis ça pourrait faire descendre les marchés parce qu'il va pas. Il veut donner cet argent-là aux pauvres. Il va pas aller chercher dans l'argent des pauvres, il va aller chercher dans l'argent des riches. Puis s'il va chercher ça dans l'argent des riches, il va manger une claque sur la gueule par les riches. U à 106, un go pour un swing. U. Uranium Participation. Ah, mais ça ne marche pas. C'est aux États-Unis. OK, on va checker le U aux États-Unis. Ouais, mais regarde, c'est comme les dizaines de titres que je vous ai montrés. C'est comme tous les secteurs que je vous ai montrés tantôt. Regarde, c'est ces plus petits volumes de l'année, 252 000. Le stock est capable de faire des millions, 2, 3 millions jusqu'à 10 millions. Puis là, il fait 252 000. Oui, mais ça prend un volume qui va avec. Pour l'instant, il est complètement suracheté. À chaque fois que le stochastique était là, c'était pas une bonne idée de l'acheter. OK? Puis là, il est encore là. Ça fait que je pense pas que ça va arriver, mais 106, je trouve ça un petit peu borderline. À 106, on va le checker comme ça, voilà. 106, c'est bien trop borderline. Mettez ça 107, là. Tu pourrais ajouter dans tes tableaux Uxin, Gal, PHX. Pas acheté encore, je viens d'y trouver. OK. Bon, on va aller voir ça. Attends un peu, est-ce que j'ai mis mon tableau B? Une minute. On y est là pourtant. Bon, ça, je comprends pas cette affaire-là. Voyons. Il est où? Ça dit qu'il est ouvert. Ah non, il n'est pas ouvert. Lève-le. Je vais fermer le secteur à Toronto. Bon. Secteur. Fermé. Bon. Il est encore gelé, lui. Ça, je peux le fermer. Ben oui, c'est donc bien bizarre. Je comprends pas, c'est un nouveau bug que j'ai jamais vu. J'ai un tableau qui gèle. Puis lui, je peux le fermer. Lui, je peux le fermer. Lui, le tableau B, je peux le fermer. Puis le tableau des secteurs, je peux pas le fermer. Mais je peux fermer le logiciel. Je la comprends pas. Il faudrait que je parle de ça à mes développeurs. Fait que je vais repartir mon traders. Puis là, je vais pouvoir le fermer. Puis là, je vais réouvrir marché, ressources, tableau A, puis tableau B. Ah, il y a OCGN aussi qui a fait un mouvement. Tantôt. On va tout mettre ça en minute ici. Bon, oui, au CGN, ce matin, il était bien, bien tranquille. On s'est mis à le suivre à un moment donné. Puis là, il vient de faire un beau signal là sur un volume de 300 000, 11,45, 11,65.
pas été super payant, mais c'est ça. Ah, tiens, j'ai Brooklyn aussi, BTX. J'ai fait deux mouvements depuis 12 heures. C'est les deux seuls que j'ai là. Je vais le mettre là. Ah ouais, mais c'est quoi tes symboles? UXCN, GAL, puis PHX. Ah, tiens, on va le mettre de même. PHX. Sur New York. Bon. OK. Bon, bien, vos trois stocks, là, bon, il a fait une raid 10h à 10h50, Uxin, mais là, il ne fait rien. Là, ça, il est probablement fini pour la journée. Galt, lui, vient de donner deux signaux back-à-back avec des augmentations de volume, les deux, pour 4,65 à 4,85, 20 cents en deux shots, 10 cents à chaque shot. Puis PHX, c'est fini, puis c'est pas intéressant, ça va passer de volume. Fait que il y a juste Galt dans vos trois symboles. MTRX, V, halté, holder, halté. Savez-vous pourquoi MTRX? Non. C'est compliqué, là. Ben, les stocks sur la bourse, là, vous faites une petite recherche, là. Non, c'est MTRX. Ça, 37. Il serait halté. Il n'a pas tradé depuis 10h30. Ouais, je sais pas. C'est sûrement pas à cause qu'il a fait une grosse affaire. Peut-être qu'il y a une nouvelle dessus. Souvent, ils vont interrompre les transactions sur un titre parce qu'ils veulent annoncer une nouvelle, là. Mais il n'y a rien qui transpire, en tout cas, dans le titre pour l'instant. BCE payé 58,30 le 22 avril. Bon, j'ai fait ça tantôt du BCE, là. BCE, qui est à sa top de résistance. Je vais payer ça combien? 58,30. Il vaut 57,76. Il y a quand même des bonnes chances de partir en correction. Garde, puis il redescend encore aujourd'hui vers son support. 57,5, il y aurait un signal de vente là-dessus, parce que s'il passe 57,5, il s'en va à 56,5. Après ça, il s'en va à 55,5. Puis après ça, il s'en va à 54,5. C'est pas compliqué. Il y a une pièce à chaque décembre. Mais là, ça va être bien dur à passer. C'est ce que je disais ce matin à quelqu'un qui me disait, « Ouais, tu disais que c'était pas bon, il faut en trouver d'autres. » Oui, mais il n'y a pas d'autres dans ce secteur-là. Puis là, bien, il y a le dividende que vous avez, c'est tout. Mais si tu regardes, il est en correction, puis il y a un risque. Il y a un risque, là, quelque part. J'ai PRTA à 26,60. PRTA. Ouch! Dans le breakout site, là. Je pense le vendre maintenant. Je crois qu'il ne va pas passer sa résistance, à mon avis. Bien, en tout cas, au moins, il pointe vers ça. Mais avec le volume qu'il y a là, il n'y a pas grand-chance de traverser. Attendez, je vais donner la peine de corriger tous les trop gros volumes, là, pour qu'on puisse avoir une meilleure visibilité de la force des volumes ou de la faiblesse des volumes, un des deux. Là. Quand j'ai repoussé tous les gros, puis ça n'a pas bien fait monter l'autre, 41 de volume. Mettons 30 minutes. Bon, c'est vraiment, il est collé là. 26,60. Donc, il y a 60 cents de perte dans le moment. C'est pas impossible qu'il traverse, là. C'est juste qu'avec des volumes de même, ça a vraiment bien peu de chance. C'est quoi ce Proteina? Je connais pas. C'est une biotech. On va regarder son plus long terme pour voir. Ouais, ça ferait toute la différence, par exemple, s'il venait traverser là. Il n'a pas commencé à se corriger non plus. Mais ces volumes, on le voit même en hebdomadaire, ils sont vraiment très petits.
C'est une idée comme une autre. En tout cas, la vendre ou la réduire, un des deux, idée X. Comme bien des stocks ont monté un petit peu au cours des derniers jours sur des petits volumes, ben il est beau, il est beau, il est beau pour du day trade, pas du swing trade. C'est pas si extraordinaire que ça. Il n'y a pas tant de potentiel que ça. 2,84, là, il est sur un top à très court terme. Il y a peut-être 10 cents de potentiel. Il n'y a pas un gros potentiel. On le voit juste quand on met 30 minutes. C'est son top ici, là. Il est à 3,20. Donc, il y a 20 cents de potentiel, mais il est déjà sur un top. Ça fait qu'il n'ira pas de ce coup-là. Puis en plus, c'est son plus petit volume. Regarde, les volumes ne font que diminuer depuis son ascension. Puis là, il est bloqué à cette résistance-là. Puis il va rester 3$ à 3$ et 20. C'est tout ce qu'il y aurait là-dedans à aller chercher. Je viens d'acheter Galt à 12h23. Je l'ai mis tantôt ici. À 4,75. Bon. Ben, OK. Il fallait que ce soit avec un des trades, ça. Il reste encore peut-être 10 cents, 20 cents de potentiel à la hausse, là. Mais faites attention, là, à ça, là. Hey, c'est une tendance, une méchante tendance de 80 degrés, ça, là. On est pas mal rendu à une grosse résistance aussi. Faut protéger ça quelque part. Aussitôt qu'il monte un peu, commencez par mettre un stop à votre prix payé. Vendre mon premier profit 4,90, c'est envisageable, il vaut 4,80. En attendant, mettez un stop au prix payé. ETHX.B. Oh, j'ai soif, moi. Je fais une petite pause coûte-coûte. Juste le temps d'aller remplir mon verre d'eau. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. J'ai vu ça un matin. Moi, j'avais ça dans ma liste 2 ici, là. J'ai tout vu ça, ces stocks-là, là. Oh, pas cette 2-là, mais cette 2-là. Bon. Tu vois, regarde, c'est tous des Ethereum, là. ETHR, ETHX, QETH, ETHH, ETHH.B. Tous ces stocks-là, j'ai vu ça un matin. Puis, ils sont tous décousus, là. C'est effrayant, là. C'est dur à suivre, ça. Regarde, ils sont tous pareils. Lui, pareil. Lui, pas pareil. Ça, c'est un point UN. Mais ces quatre-là, là, lui, 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 puis lui, sont tous pareils. Donc, ça a l'air d'être toute la même affaire d'une même compagnie de fonds qui en a sorti plusieurs, sont à des prix différents. Le premier est à 12,22, 12,45, 12,35, puis 12,21. Tu sais, c'est quatre titres différents qui sont tous au même prix. Donc, vous avez le B. Lui, là. Vous avez payé ça 11,65, il vaut 12,21, vendu la moitié à 12,20.
OK, bon, parfait. Bien, on ne doit pas rien voir dans un graphique hors séance ici. Bien, le prix est 11,65, je mettrai un stop à 11,75. C'est le mieux qu'à faire. C'est quoi le point d'entrée de Microsoft? Il est en correction aujourd'hui. Je veux le garder pour le long terme, pour le dividende. OK, bien, achetez-le pendant qu'il monte et non pas pendant qu'il descend. Microsoft, il est en... on va mettre ça en 5 minutes. Bon, il est en correction ce matin. Bon, on ne voit pas grand-chose dans ce graphique-là. On va mettre ça en 30 minutes. Bon. Fait que il y a quand même une bonne correction. Puis là, ben, il vient de perdre les avances du 9 au 27. Donc, ça fait quand même du 9, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jours qu'il vient de perdre d'un coup. Bien, c'est parce que je ne pouvais pas l'acheter tout de suite. Si vous l'achetez tout de suite puis il tombe là, vous allez être dans le long terme, mais un grand bout en perte de capital pendant que, oui, vous allez faire un dividende, là, mais le dividende, c'est au trimestre. Là. Perte en capital, là, ça peut être quotidien. J'aurais un petit peu peur. Ce n'est pas une compagnie dangereuse, mais excepté que... Ben, ce ne sera même pas un point d'entrée à long terme, ce sera un point d'entrée à court terme. Là, de tout ce qu'il y a, parce qu'il y a une grosse, grosse résistance là, là-dessus. Si on regarde son graphique, là, regardez, c'est carrément un top. Là. Ça, c'est sûr, c'est un top. Là, okay? Donc, il peut facilement revenir à 240$. Moi, j'attendrai un peu encore avant de faire ça. Je voulais dire USO à 130$ en 2018. Ah, le prix de USO, je m'en souviens pas, mais c'était le pétrole. Et A est 44 aujourd'hui. Ouais, mais tu sais, USO, c'est un ETF, hein? Ça fait qu'il perd de la valeur même sans que le pétrole bouge. Le pétrole aurait pu rester au même prix, USO aurait descendu pareil. Pas le prix du baril de pétrole. OK. Mais c'est correct. Pensez-vous de shorter DB? DB aux USA. DB. Deutsche Bank. Oh, j'ai aucune idée. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on devrait shorter. Ben, ils ont annoncé le plus gros profit de je ne sais pas combien de temps. Là. J'ai vu ça dans les nouvelles sur CNBC un matin. Là. Mais il est complètement sur un top. Tu ne peux pas manger tes bas, là, parce que ce stock-là ne peut pas doubler du jour au lendemain. Là. Ce serait pour un très court terme, parce que c'est quand même une tendance haussière. Donc, ce serait de shorter ça pour faire une pièce, là, en espérant qu'il va retomber à 12,5. C'est la seule chose que je pourrais voir là-dedans. Suivant ses états financiers, il descend en bas du prix d'entrée à 13,44. S'il descend en bas du prix d'entrée... Ah, du prix d'ouverture, vous voulez dire? Du prix d'ouverture à 13,44, là. Ouais, 13,40. 13,40 dans le but de faire une pièce, OK? Faut pas voir plus long que ça, là. L'or semble répandre de la couleur verte. Est-ce possible de regarder le secteur? Ça me surprendrait bien gros. Vous regardez ça à très court terme avec un microscope, là, parce que l'or est toujours en correction, même s'il a rebondi un peu après la chute de ce matin. On va le mettre comme ça. On a rebondi, mais ça, c'est régulier là, qu'on voit ces mouvements-là. Tu sais, je vais mettre en 10 minutes. Bon. Tu regardes ici aussi, regarde. Il avait descendu, puis là, il a remonté. Puis là, le 26, il a redescendu à l'ouverture, puis après, il est remonté. Puis là, hier, il a monté, mais après, il est descendu. Tu sais? Puis là, il est descendu, puis là, il est remonté. Mais ce qu'il faut considérer, c'est ça. OK? Donc, c'est déjà fait, ce mouvement-là. Fait que tout ce qui est à l'intérieur du couloir baissier, c'est pas un point d'entrée. Fait que c'est pas encore, c'est pas mûr, là. Où est-ce qu'il y a le support de Tesla? Il est, là, sur un support. Son support de 695. Le prochain, il est à 670. FM, point d'entrée.
Ça va prendre un bon petit bout avant qu'on voit ça. Parce que là, on a atteint un top. Il est complètement suracheté. Il plafonne. Ça serait bien surpris qu'il passerait au-dessus de ça, qui est une grosse résistance à traverser. Ce serait possible, mais je vous dirais, ce serait 31,75. HER, 31 piastres, bon pour entrer? HER à 30 piastres et à 31. Si 31, ouais, ce serait bien borderline. Mais là, pour l'instant, il ne s'en va pas par là. Pour l'instant, il s'en va bien plus vers son 25$ que son 31. Puis plus il descend par là, moins le 31 demeure logique. Là, ça pourrait être un autre prix à date. Dans le moment, s'il ne décrochait pas, il faudrait qu'il vienne se stabiliser à 30 et 60. Et puis après, qu'il décolle à 31, 31 et des poussières. Ethereum, c'est une crypto-monnaie comme le Bitcoin. Oui, je sais, mais... malgré tout, on ne sait pas trop c'est quoi. Tiens, j'ai ça ici. Il n'y a pas juste l'Ethereum. Il y a l'Ethereum, puis il y a Bitcoin, il y a Ethereum, puis il y a le XRP. Je ne sais pas c'est quoi non plus le XRP. Ça fait que c'est rendu bien compliqué cette affaire-là. Puis moi, je ne sais pas en quelle année je vais comprendre comment ça fonctionne cette affaire-là, là, mais quand on dit que le Bitcoin pourrait remplacer les autres monnaies, je vois pas comment qu'une monnaie pourrait être fiable si elle reste aussi volatile que ça. T'sais? Aujourd'hui, il ne bouge pas gros, le Bitcoin. Il y a des journées qui sont en hausse de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Okay? Il peut bouger de milliers de dollars. Donc, une monnaie qui peut bouger de 5 à 10 % dans une journée, c'est pas une monnaie trop stable. T'sais? Ben, tu vas t'acheter une auto, puis là, ben, tu l'achètes, mais demain, ton argent que tu as déposé, elle vaut 10 000 de moins, là. Comment ils vont faire, les vendeurs, puis les propriétaires, puis les gens des compagnies, regarde, ils ont intérêt à déposer l'argent en direct. Donc, ils sont sûrs que si tu achètes le char, là, tu viens de déposer les bitcoins, OK. Donc, les bitcoins sont déjà dans le compte. Oui, mais demain... Demain, toutes les autos qu'il a vendues hier, qu'il a vendues en Bitcoin, si le Bitcoin tombe de 10 %, bien là, l'argent qu'il a collecté de ses clients, elle vient de descendre de 10 %. Mais non, mais... Tu sais, il n'a pas encore fait de quoi avec, là. Je ne comprends pas, là, comment ça va pouvoir remplacer les monnaies tant que ça ne deviendra pas des monnaies plus stables que ça. Qui va prendre le risque de payer... d'accumuler des bitcoins pour payer avec. Hey, regarde, les bitcoins ne font pas toujours 1000 piastres à 60 000. Là. Tu sais, c'est même ça, c'est débile. Okay? Parce que c'est de l'argent qui n'existe pas, dans le fond. Ça, c'est de l'argent fabriqué, les bitcoins. Le seul argent qui n'est pas fabriqué, là, c'est celui qui le paye, le bitcoin, à 50 000 piastres, quand c'est juste virtuel, cette affaire-là. Il n'y a personne qui l'a imprimé. Il n'y a personne qui est à côté de l'or en arrière. Il n'y a personne... C'est weird. REI.UN, OK, là, je ferme ma barre de questions parce qu'il faut absolument que j'arrête une émission. J'ai un meeting avec un fond dans une demi-heure. Fait que... REI, pas RET. REI.UN. Ah! Oh. OK. C'est RioCan. OK, je vais aller dans les retirement ici. Tiens, RE. OK, il est tout seul dans sa gang parce que l'indice ne fait pas ça. Attends un peu, on va mettre ça en 5 minutes. Bon. L'indice, lui, il se corrige. AP.UN est à sa résistance. Lui, il se corrige. Lui, il se corrige. RI.UN, c'est lui. SIIC au détail. Que ça dit? C'est tough, ça. Techniquement, là, c'est vraiment tough, là. Tu sais, quand il était ici, il avait un potentiel jusque-là, mais là, il est à côté, sa ligne bien raide, là. Peu importe comment on la trace de toutes les manières, on arrive tout là sur le haut d'un couloir. Puis en plus, il monte avec un volume de
tout petit par rapport à ses volumes. Son average est de 1 500 000, puis il y a 340 000. Ça fait qu'il y a 20 % de son volume à mi-journée. Ça me semble pas l'idéal. Ah, acheté à 19,86, il vaut 20,92. Je prévois le garder jusqu'à un revirement de la tendance. Bien, il va se corriger probablement jusqu'à votre prix payé. 19,86, oh, il y a des bonnes chances, il y a des bonnes chances. Regarde, il en fait des corrections, là. Ça en fait des corrections, là, ce truc-là. Mais là, on est sur le haut d'un cycle, sur le haut du couloir. C'est pas gros, là. C'est 86,22, vous faites une pièce sur 20 pièces, c'est 5 %. Mais moi, je vendrais la moitié, je garderais le 5 %. Puis, ça est payé 19,86, puis je mettrais un stop à 20,60. Je vendrais la moitié, je mettrais un stop à 20,60, puis là, je dormirais dessus. François Siri avec un beau petit couple. Un beau couple. OK, bon, c'est fait. Bon, c'est fini. Fait que là, je dois vous laisser. OK, on va regarder ça. Les marchés, ils font pas grand-chose encore. C'est tough, là. Trouvez-moi un secteur aussi. Vous allez voir, c'est de l'ouvrage en tabarouette. Il y a des cas d'exception. On a eu plusieurs beaux stocks qui ont été bons en day trade aujourd'hui. Mais wow! OK. Là, c'est les fondamentaleux là, qui font surface. Là. Tout le monde qui voit que, « Hey, regarde, c'est fini la COVID. » Bien, c'est drôle. Si c'était fini, le marché serait bien plus fort que ça. Fait que, il y a trop d'affaires qui puis de toute façon, il n'y a aucun secteur haussier qui démarre un cycle haussier. Il y a les forestières qui ont monté il y a 2 semaines. Mais depuis ce temps-là, il n'y a rien encore. Le pétrole, c'est pas fiable. Les orifères sont pas décollés, sont encore à la baisse. Tous les autres secteurs sont effouérants en bas. Je vous l'ai montré au moins 3 fois aujourd'hui, là, OK? Un jour, on va voir décoller tout ça. Ce sera le temps. Mais je me dis, si ça décolle pas, c'est parce qu'il y a encore un risque. Puis regarde, on pourrait descendre un autre palier plus bas. Puis si on achète trop vite, bien, on pourrait le regretter. On va dire, « Ah, j'aurais dû ci, puis j'aurais dû ça. » Fait que moi, j'ai pas d'autre choix que m'en tenir, que d'avoir la rigueur que tout le monde n'est pas prêt à avoir. Mais moi, quand je recommande de quoi, c'est à des centaines de personnes. Ça fait que, gars, j'ai pas le choix d'avoir de la rigueur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je reviens sur Guru.tv aux alentours de 2h, 2h15, tout de suite après mon meeting. Passez une excellente fin de journée.